Et salut tout le monde, c'est MinecraftAzor06, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Captive Minecraft, donc l'épisode 6, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas ça va super bien, je suis chaud. Je tourne deux épisodes d'affilée là. Vous avez sûrement dû voir avec l'ancien épisode que j'ai repris et arrêté exactement au même moment. Ça veut tout dire. Alors, on va essayer de mettre de l'eau comme ça. Pour enlever le fil. On va mettre une torche comme ça. On enlève un peu le spawn. Ok. Ok. C'est juste là, spawner. Donc, on met une torche. Ok, il y a... Ok, là d'accord, c'est fini. J'entends encore plein d'araignées, mais je sais pas où elles sont. Ça me fait un peu flipper. Mince, j'ai plus d'épée. J'ai plus d'épée! Arrêtez! Il fallait qu'elle vienne au moment où j'ai plus d'épée, quoi. Bon, j'attendais qu'elle vienne avec ma hache, mais elle est même pas venue, donc... Tant pis pour elle. Hein. J'irai la buter avec ma nouvelle épée. Hop. Voilà. Par contre, on ne trouve plus tellement de fer. C'est assez problématique. On se fabrique plein de choses, mais on ne trouve plus de fer. Alors. Bonjour. Mais what the fuck. Ah, ok, elles sont juste au-dessus de moi. Mais il y en a plein. Mais vous avez vu. Mais what the fuck. Ça va être... Mais ça... Ah bah je me disais au bout d'un moment elles allaient forcément finir par descendre. Bon, je me suis fait toucher. Et Arrêtez. Pff, oh là là. Je me fais victime par une araignée. Attention, système de régène cheaté. C'est limite pareil que la pomme de notch. Quand tu bouffes, genre tu... En plein combat, tu bouffes une carotte dorée et c'est beau, hein. J'en attends une autre. Je sais pas où elle est. Ah, elles sont pas au-dessus. Je sais pas, il y en avait 10 000 stackés au même endroit. Donc alors... Vous savez quoi, j'ai une idée. Hop. Là, on va pas casser tout ça. Donc on aménagera peut-être ce spawner, je sais pas. Mais j'en vois pas trop l'utilité, je pense qu'on aménagera celui à squelette, puisque on en a un zombie. Zombie, clairement, ça sert à rien à part à l'XP. Vu qu'on a un squelette, bah au moins ça nous fait les os, les flèches et l'XP. Donc ça nous fait tout. Et ça, bah ça pourrait nous faire juste les fils, puisque l'XP on en a déjà. Et il y a un coffre en dessous. Est-ce qu'on a déjà exploré ici? Oui, on a déjà exploré ici. Hop. Et je voulais dire, ouais, ça pourrait nous faire l'XP et le fil. Mais le fil, clairement, ça ne nous servira à rien. Vu qu'on en a déjà plein. Oh non, c'est une blague. On peut ouvrir le coffre en cassant le spawner. Mais non, on le casse. J'ai pas de cerveau. Alors, on n'a pas de quoi tout prendre. Enfin, c'est, il nous manque juste le coffre. On s'en fout un peu. Alors, on a eu un livre enchanté Flame. Bah, du coup, ça nous fera un bon petit arc. On a eu 8 argiles, 8 trucs comme ça. On a eu un papier. Et après, je sais pas. On n'a pas eu l'air d'avoir des trucs extraordinaires. Alors, on va jeter ça. Ouais, donc, je disais, ça va pas nous servir à grand-chose. Ce petit spawner, vu que le fil on en a déjà plein avec ça. Et en plus ah oui, je voulais faire un truc. Voilà. Ah, je peux. Ah voilà. Comme ça on met de l'eau ici, on enlève toutes les toiles d'araignée. Voilà. Ça veut pas. J'entends encore plein d'araignées, je sais pas où. Bon, il doit y avoir un endroit spawnable au-dessus. Je vais aller voir.
Donc, alors. C'est juste au-dessus. Ah bah, ça a l'air d'être juste là, hein. Ah, ok, c'est juste là. Vous savez quoi, on va faire ça. Bon. Normalement, si on fait ça, on peut les taper. Non, non, on peut pas. Comment on pourrait les buter? Ah, je sais. Regardez. Elles vont toutes se noyer au bout d'un moment. Donc, on a juste à attendre. En attendant, on bat rien. Je vais remettre les torches. Il me faut... Ok, elles sont juste là, j'avais oublié. Elles vont toutes commencer à mourir. Ouais, c'est bon. Voilà. C'était comment tuer un maximum d'araignées en un minimum de temps. Avec Magic Crafter 06. Ouais. Bon, allez, on se casse. Y a plus rien qui nous intéresse ici. Hop, je vais aller déposer mes affaires et après on va continuer cette exploration. Et on va pouvoir remplir tous nos petits bols avec Nova Champi. Parce que là, j'ai bu toutes les soupes qu'on nous avait données. J'avais 4 soupes de betterave et 2 soupes de ragoût de lapin. Donc, hop. Ça, je garde ça aussi. Ça. Ah, j'avais 2 cookies. J'avais 2 petits cookies, j'avais pas vu. Alors ça, on met là, ça aussi. Avec tout l'or qu'on a, on a moyen de se faire combien de lingots? 60 quand même. De quoi faire 6 lingots, presque un bloc, presque un bloc. Ah bah, hein. On a déjà un bloc d'or. Un bloc d'or, il nous en faut 3. Hop, alors ça, on s'en fout. Voilà, maintenant on a enlevé toutes nos affaires, on remplit toutes nos petites soupes. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont bleues, je sais pas pourquoi, je vais oublier. Pour le PVP soupe avec mon pack de qualité, évidemment. Non mais attends. Alors on va récolter vite fait notre blé. Parce qu'on n'est pas là pour rien faire, hein. Nous on est là pour sortir de ce fucking endroit. Ou pour vivre dedans finalement, donc quoi qu'il arrive faut qu'on l'aménage. Et alors donc ça c'est bon. Maintenant qu'on a tout déposé, on retourne en bas. Hop, on prend une petite soupe ici. Et on va continuer de descendre du coup. On avance bien, on est en couche combien? 65, on se rapproche. Je vais continuer de descendre par là. Non, attendez. Je vais plutôt descendre par ici. Ce sera mieux. Comme ça, on est à un bloc de la bordure. Mince. Nous, on fait des escaliers propres. Hop. Alors, du coup, bah, faut que je casse tout ça. Voilà, mais... Par contre ça, je m'en fous totalement. Voilà, on continue de descendre. On entend encore toutes les araignées, je comprends pas où elles sont. Elles doivent encore être dans des blocs chelous où il n'y a pas de lumière. Mais pas dans des grottes, je pense pas. J'entends de la... C'est moi, j'entends un silverfish. Non, j'entends vraiment un silverfish. Ah, attendez, si j'entends un silverfish, ça veut dire spawner un silverfish. Et ça veut dire end. On a l'end, les gens. On va pouvoir aller dans l'end. Alors, je déteste ces petites créatures là, trop chiantes, dégueulasses. Excusez-moi, je souhaiterais passer. Voilà. Donc là, elles peuvent monter, j'avais pas fait gaffe. Oh, putain, ça va continuer à spawner. Ah, merde, je suis dans la merde là. Ah mais j'arrive pas à les toucher en plus. Oh mais ça casse de partout. C'est bon. Mais genre elle monte encore. Bon c'est pas grave, là on peut les gérer. Ah mais je peux pas monter par là, ok. Pourquoi elles sont bloquées là?
Vous entendez tous les blocs qui se cassent et tous les silverfish qui se libèrent en fait. Mais what the fuck, mais je redescends, y'a personne. Je prends cher les gens, je prends cher. Ok, là c'est la mort les gens, c'est obligé. Cassez-vous. Oh, ce réflexe du demi-cœur. C'était super chaud. Je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Oh mon dieu. Surtout que je peux pas ouvrir là parce que ces jours ils vont tous me buter. Je peux pas les taper à travers. Je suis dans la merde. Là. Je sais ce que je vais faire. Faire un genre de couloir comme ça. Et je vais essayer d'ouvrir. Mais ils sont tous barrés, d'accord. Je fais ce couloir pour rien. Non, attendez, je vais laisser ça quand même au cas où ils me repoursuivent. Bonsoir, non. Ah oui, c'est vrai qu'elles peuvent passer dans un de large. On l'a bien géré ça là parce que 1.9 moi je vous le dis c'est pas facile hein. C'est pas fastoche. Non, non, c'est bon. Ok, ok, ok. Là on régène comme un peur. Non les gens clairement là je suis dans le caca. Hein. Je sais pas si je joue. Bon. Bonsoir. Voilà. Pour gérer les autres, on va essayer de se les faire à l'arc. Oh putain. Oh, fait flipper, mais d'où elle tombe? Mais casse-toi! Petite caca en plus, il faut 3 coups pour les tuer, ces petites... Oh my god. Et qui s'y fouille. Bon, on va essayer de redescendre assez vite fait pour casser le spawner. Non. Mais vous voyez, ça se libère partout. C'est trop chiant, mais il y en a partout. Ok, c'est bon. On est monté, on est monté. J'arrive même pas à les taper. Vous voyez, c'est tellement petit. Et attends, tu vas pas me dire qu'il faut... Oh, mince! C'était l'erreur la plus... Casse-toi. Casse-toi aussi. Merci. En fait, les silverfish, c'est vraiment un truc horrible. Parce que là, il a mis la pierre de silverfish partout. Du coup, ça libère des silverfish partout quand on en... Quand on a un qui passe à côté des autres, vous voyez? Ça, c'est pas de la pierre de silverfish. On est tranquille. On va faire en sorte que les silverfish, ils montent là pour qu'on puisse les buter. Ça voudrait dire qu'on fasse ça. Voilà. On va continuer, je pense, avec cette technique pour les faire reculer. Hop. Là, franchement, on est sur quelque chose de méga galère. Moi, je vais bouffer toutes mes soupes, mais il faut que je régène, hein. Pas le choix. Mais d'où tu me touches de là? Attendez, même les blocs que j'ai posés, c'est des blocs de silverfish, quoi. What? Il y a 10 000 blocs qui se sont cassés en même temps. Regardez-les tous, là. Je sais même pas d'où ils me tapent. Ah, ben c'est lui, là. Ah non, c'est eux, là. Je vais pas arriver à remonter, je vais pas arriver à remonter. Ok, vous savez quoi? Mais il est encore là? Je l'ai tué. Voilà. C'est tellement galère à frapper cette merde. Attendez, il faudrait que j'arrive. Oh, j'ai une idée, j'ai une idée. J'ai une idée de fou, les gens.
C'est pas du silverfish ça. Allez, faut que je remonte là, juste là. Ok, c'est bon. Oh, vous savez quoi, je vais vous faire une ellipse le temps que je bute tout ça parce que c'est extrêmement chiant à regarder, je pense. Donc, je vous dis à tout de suite. Et re tout le monde. Oh là là. On se retrouve. Alors, c'était horrible. Alors, je vous explique comment j'ai fait. En gros, j'ai fait un petit pont par ici et j'ai cassé le spawner par en haut. Ce qui m'a permis du coup de me mettre à un endroit safe et à buter tous les silverfish. Et c'est enfin bon. Oh là là, qu'est-ce que c'était chiant. En plus, on... Encore ça, une fois que je vous ai quitté, j'ai fait la technique là direct en haut et après c'est allé assez rapide. Mais j'ai galéré et il y a plein de zombies qui venaient de là aussi. Bah vous voyez, là il y en a un qui vient de spawner. On est d'accord, il a spawné juste devant nos yeux. Petit coquinou. D'accord. Ah bah oui, bah il est là. Ok, c'est bon, j'ai compris. Tu sais, moi je suis un explorateur professionnel. Hein. Après je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Nous les spoilers à zombies, ça nous connaît. Bon, je le casse parce qu'on en a déjà un et que de toute façon, il nous servira. Les deux nous serviront à rien. Donc, autant en enlever un. Alors, donc là, ok, là, on peut pas y aller. Là, on peut y aller. On a un petit coffre, ça faisait longtemps. Protection 2, 4 argiles, un peu d'argile, pas pareil. 4 pépites d'or, 3 cookies. J'entends un autre zombie. Par ici, on est bloqué. Ah, j'ai ramassé tout le caca. Par là, on est aussi bloqué. Mais on peut peut-être aller jusque là. Oui, 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 oui. Par-dessus ça, je sais pas ce qu'il y a. On va aller voir. Ah, attendez. On peut pas emprunter l'échelle, mais bon. Ah, il y a un coffre là-bas, ok. Il y a un coffre là-bas. On ira voir quand on aura plus agrandi. Alors, par ici, c'est bon. Par là, c'est quoi ça? Bonjour. Ah, ok, je suis bloqué contre la bordure. C'est pour ça que j'arrivais pas à reculer. D'accord, mais ça sert clairement à rien. Hop, donc ici ça a l'air d'être bon. Ok, donc on va pouvoir finalement s'intéresser au portail. Alors il nous faut 1, 2, 3, 4, 5. Il nous faut 5 œils de l'Ender. Donc ça va être assez chaud à avoir, je pense. Donc on va continuer notre périple. Et on va descendre par là. Alors ça c'est du silverfish. Oh non, ça va libérer les autres. J'ai fait une grosse erreur là. Bon, tant pis. Ça, j'ai entendu deux blocs se casser, mais apparemment ça a pas fait grand chose. J'en entends un autre, je casse ma pioche, c'est super. C'est super. Attendez, je vais voir vite fait à combien de temps on en est. 15 minutes. Bon, il nous reste une minute et demie. Le temps de nous faire une petite pioche. Je sais pas où j'ai mis ma table de craft. Tant pis. Ah, mais j'ai plus de fer. Oh là là. Bon, du coup, on va se quitter en rentrant à notre petite maison. Et du coup, au prochain épisode, on va finalement... Je sais pas si on tente le diamant ou pas. Mais soit on tente le diamant et on continue de creuser, soit on se fait encore 2-3 petits objectifs au début. Alors je pense qu'on va tenter le diamant et creuser parce qu'il faut qu'on y arrive un jour. Alors pour finir, on va poser tous nos trucs. Donc. Tac tac tac. Tac 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 tac. Ça on garde ça. Mais là. Ça aussi. Ça aussi. Ça je mets là, tout ça je peux le mettre là. Il nous manque une pioche ici. On a encore
du fer là qu'on dépense à chaque fois pour nous faire une pioche. Il nous faudrait une pioche en diams en fait. Ensuite, il nous faut ça. Voilà, on replante vite fait. Mince, j'avais pas vu. Hop. On peut nourrir toutes les vaches vite fait. Est-ce que je les ai toutes nourries? Oui, on dirait. Ouais, c'est bon. Ok, donc ça c'est fait. Les cookies, on a un petit peu de cookies pour survivre. On prend un petit peu de soupe de champi pour survivre aussi. On va s'en fabriquer 4 de plus. Ce sera largement suffisant, je pense. Voilà. Et là, je pense qu'on a pas mal de soupe de champi. On va d'abord prendre les cookies histoire de les finir. Et on va finir sur une petite bouffe de cookies. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis, et surtout à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 7. Allez, bye bye.